Comment nous fanatiques de la radio, déjà bienvenue avec nous dans la vidéo ça, pour nous parler de l'Atlético de Madrid qui va recevoir l'équipe Barcelona, c'est dans la Liga Santander là, dans le cadre de la 16e journée, dans le jour cap dimanche 8 janvier 2023, c'est à côté des 3 heures, les pays d'Haïti. Qui t'aime tout rappeler les fanatiques, si bon Dieu ben la vie à la santé, n'a bien présent dans la rencontre. Ainsi là, avant nous venir avec détail fanatique football sous match Atlético de Madrid Barcelona, n'a invité ou sous à peine découvrir Chanel ça, c'est tout abordé avec lui, parlier pas nous abonner, c'est tout activer cloche notification, parlier quitter un like sous vidéo ça, parlier partager vidéo ça avec yon zami, c'est la meilleure façon pour capable aider Bladi avancer avec travail si là en entrée dans match football Atlético de Madrid Barcelona. Nous déjà dit fanatique c'est Atlético de Madrid cap gain pour le recevoir équipe Barcelona Xavia. On trouve à l'ouest Diego Simeone avec Xavi qui va rencontrer une autre fois encore fanatique bien des entraîneurs ça c'est pas pour la première fois. Yo bral gagner pour rencontrer après Barcelone lui-même les fin prend nouvelle Real Madrid shooté la caille équipe Villarreal pour décoller un fanatique yo ça vient faire équipe Barcelone plus motivé devant équipe Atlético de Madrid pour la voir comment il capable racher une victoire dans mes équipe Atlético de Madrid qui te rappeler fanatique yo nous connaissons c'est pas un bagage qui bral facile ni par rapport côté équipe Atlético de Madrid là ni par rapport côté équipe Barcelone. Barcelone qui leader la Liga Santander la Fanatico avec 38 points s'il gagne équipe Atlético de Madrid là 38 plus 3 n'a pas connait combien points équipe Barcelone a gagné s'il fait match n'a pas connait et s'il fait défaite tout n'a pas connait Atlético Fanatico qui occupe 4e place là avec 27 points victoire équipe ça pas déranger équipe et Barcelone Barcelone lui-même l'a prêté leader dans la Liga Santander là mais on connaît pas fait fanatique Barcelone ou bien c'est fanatique Atlético yo si toutefois Atlético lui-même l'état gagne équipe Barcelone son exemple nous prend fanatique yo ça qu'arrivé Barcelone lui-même li gagne équipe Atlético de Madrid là ça va faire équipe là bien et bien le gagner 3 points en plus équipe Real Madrid. Dans tout fanatique Barcelone déjà a chauffé pour 3 points à tomber pour équipe Barcelone pour gagner avantage 3 points sous équipe Real Madrid. Un petit rappel pour fanatique comment ça y est dans un classement déjà dit exactement Barcelone qui occupe première place là avec 38 points fanatique qui déjà joué 15 journées fanatique 12 victoires des matchs yon défaite 34 goals marqués 6 goals encaissés équipe Atlético de Madrid qui occupe 4e place là avec 27 points qui déjà joué 15 journées fanatique qui fait déjà 8 victoires 3 matchs 4 défaites 23 goals marqués 14 goals encaissés voilà c'est comme ça. Ça y est pour l'équipe Atlético de Madrid dans 15e journée. Li déjà joué dans la Liga à Santander. Là, il va lui 16e journée aux fanatiques. Nous ne connaissons pas comment ça va aller pour l'équipe Atlético de Madrid et nous ne connaissons pas comment ça va aller pour l'équipe Barcelone. Par rapport côté équipe Atlético de Madrid, Diego Simeone est vraiment chauffé. Pour une victoire, t'as tombé pour équipe ça. Côté si toutefois, l'Italien victoire, il va le passer avec 30 points dans la Liga à Santander là. 30 points ça, qui vraiment, bral bon. Pour équipe Atlético de Madrid là, nous connaît, qui vraiment, bral sous 16e en journée. À nous traverser, et l'autre côté, pour nous capable de faire fanatique, qu'on connaît exactement ça qui gagne par rapport côté équipe Barcelone là. Nouvelle qui pas fait au bien, nous connaît. Principal élément équipe Barcelone, là, nous voulons parler de Robert Lewandowski, il n'est pas présent pour équipe Barcelone face à équipe Atlético de Madrid, là, dans le cadre de 16e journée fanatique, c'est pas seulement
face à l'équipe Atlético de Madrid. Barcelone pas bien yon moun takou Robert Lewandowski. Barcelone pas bien Robert Lewandowski face à l'équipe Getafe en cadre 18e journée. Pas bien aussi face à l'équipe Girona en cadre 19e journée. Nous connaissons ces trois matchs et sanctions by Yonek Tankou Robert Lewandowski. Côté Barcelone, Bral senti qu'il manquait Yonek Tankou Robert Lewandowski. Si tout face à l'équipe Atlético de Madrid, nous connaissons qui va dire. Bladi a pas sauté 17e journée, pas bien 17e journée, Bral servi Barcelone, yon match en retard parce que dans 17e journée, nous connaissons, pour Barcelone, ta joué, Bral gagne pour jouer Super Coupe d'Espagne, Real Madrid tout, Bral gagne pour jouer Super Coupe d'Espagne, c'est ça que fait nous pas parler de 17e journée dans la Liga à Santander. D'après vous-même, qui est-ce monde pour sa vie lui-même t'a utilisé dans place Yonek Tankou Robert Lewandowski, puisque monsieur lui-même, Libra a perdu 3 matchs dans la Liga à Santander. Il est capable de jouer Super Coupe d'Espagne en fanatique, il est capable de jouer Coupe du Roi, mais il a 3 matchs pour le rater là, dans la Liga à Santander. Là, nous déjà dit, c'est face à l'Atlético de Madrid. Face Getafe, face équipe Girona. Jean Doula, qui est ce monde où tu as utilisé dans la place Yonek Tankou Robert Lewandowski, nous connaissons, qui toujours a mis ballon dans filaire pour équipe Barcelone. D'après Vladi, si je suis dans la place Xavi, mon monde a fait jouer dans la place Robert Lewandowski, ni pas l'autre qui est en sous-partie. Malgré que je connais des gens qui sont d'accord, qui ne pas d'accord avec Vladi, ils vont dire mon côté Memphis Depay, ils vont dire mon côté Ferran Torres, mais c'est choix pas Vladi, c'est opinion pas Vladi. Moi, t'as fait en sous-partie jouer dans place Yonek Tankou Robert Lewandowski, nous connaissons qui pas présent pour l'équipe Barcelona face à l'équipe Atlético de Madrid. Sous la fait en sous-partie, jouer dans la place Robert Lewandowski, qui est mette accompagné avec lui, et bien mette Ousmane Dembélé avec Yonek Tankou Rafinha. Il a bien un trio fanatique qui gagne la donne Ousmane Dembélé en sous-partie avec Rafinha. Malgré que je connais des gens qui d'accord avec trio ça, Vladi lui-même, lui déjà campé pour l'équipe Barcelone en absence Yonek Tankou Robert Lewandowski. Kounya, nous sommes capables de passer l'issue. Joueur Xavi convoqué pour l'équipe Barcelone qui va visiter l'équipe Atlético de Madrid. C'est 22 joueurs qui convoqué fanatique en Alcapabuyo ensemble avec Vladi. Marc-André Ter Stegen, Hector Bellerin, Ronald Araújo, Sergio Roberto, Ousmane Dembélé, Pedri Ansu Fati, Ferran Torres, Iñaki Peña, Memphis Depay, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Frank Kessié, Sergi Roberto, Frank De Jong, Rafinha, Gilles Koundé, Eric Garcia, Balde, Gavi, Pablo Touré, nous gagnons Tenas, voilà, c'est l'issue joueur Sayo, Xavi lui-même, les convoqué pour l'équipe Barcelone qui va visiter l'équipe Atlético de Madrid. Pour y aller, nous allons passer dans le résultat 5 derniers rencontres de l'équipe. Fanatique, vous pouvez connaître comment ça est dans la minute qui n'a pas parlé, la 30 juin 2020, Barcelone te recevra Atlético de Madrid. Match Bolsa, t'es fini. Matil décolle partout. 21 novembre 2020, Atlético de Madrid a intéressé l'équipe Barcelone. En contre ça, t'es fini. Yon goal à 0. C'était en faveur équipe Atlético de Madrid. 8 mai 2021, Barcelone a intéressé l'équipe Atlético de Madrid. Match Bolsa, t'es fini. Matil 0 bi partout. 2 octobre 2021, Atlético a reçu l'équipe Barcelone. Rencontre ça a fini
2-0, c'était en faveur équipe Atlético de Madrid. Dernier journée, il a joué Fanatico, c'était 6 février 2022. Barcelone te recevra équipe Atlético de Madrid. En contre ça, t'es fini pour 4-2, c'était en faveur équipe Barcelone. Vous êtes quoi tout fanatique Barcelone, fanatique football, fanatique Blady? Regardez, rencontre ça avec Blady. Qui ça nous pensait des résultats? Nous sommes passés aux deux équipes en Silaio. Qui ça nous pensait fanatique? Est-ce que nous déjà avons une idée des résultats? Nous sommes passés là. Est-ce que par rapport des résultats, nous avons une des équipes qui déjà paraît favorite? Nous avons contrôlé fanatique dans les résultats 5 dernières rencontres des équipes qui sont Atlético de Madrid avec l'équipe Barcelona. Nous avons l'équipe Atlético de Madrid là, li gagné 2 victoires en fanatique de matchs là, yon défaite, tandis que l'équipe Barcelona lui-même, li gagné yon victoire, des défaites, des matchs là, qui ça veut dire pour nous fanatiques, est-ce que nous déjà ouais gagné une des équipes ça yo qui paraît favori. D'après Blady, Matchball ça gagne toute chance pour finir matchs là, yon goal partout. Est-ce que vous déjà fait même penser avec Blady qui te pronostique pour là, dans un commentaire. Même là, nous connaissons, peut-être samedi, si pas ça, mais il doit si ça, mais quand même, il doit si sobre à dire, mais en nous tenter, en nous bailler pronostic par le dit, et c'est vraiment samedi pour passer, et peut-être qu'il est capable de passer, oui, c'est ça fait, et tout le dit, pronostic là, lui-même, lui bailler, c'est avant, match ball là, déroulé. Tout le monde qui a une chance, dans les vidéos, ça, faire pronostic pour la passer, dans un commentaire. C'est là que nous avons fait avec vidéo ça. Pas oublier de quitter un like sur un mail. Pas oublier tout sous à peine découvrir nous pour la première fois. C'est tout abonner, activer cloche notification. Ou capable copier la vidéo ça. Voyez le baïsan. C'est la première façon. Ou capable aider nous grandir avec travail. Si là, rendez-vous c'est pour tout de suite après pour une autre vidéo.